Eh les gars, faut s'abonner à la chaîne de Sofiane le Geek, ça a l'air super. Yeah. Yo tout le monde, c'est Sofiane le Geek, on se retrouve pour une nouvelle vidéo dégustation de recettes Dragon Ball Z en compagnie de Ludivine. Comment vas-tu? Ça va bien, coucou tout le monde. Coucou tout le monde, donc voilà les amis, comme vous l'aviez déjà vu, on a acheté le livre des recettes légendaires de Dragon Ball. Et du coup, j'avais envie de tester un petit peu ça. Ludivine m'a dit que, attends, je vais essayer de faire les recettes et on les fera partager. Ça m'a donné envie de le faire, c'est vrai. Voilà, on les... Elle avait envie, tu vois, et on voulait vous partager ça, savoir si c'est bien ou pas ce qu'elle va faire. Parce que bon, j'essaye du moins, voilà, ouais, faut déjà essayer. Il y a un début à tout, quoi, on va dire. On va faire ça. Enfin, elle a fait ça d'ailleurs. Oui, le fait ça. Fameux dessert de Bulma qu'elle donne à Beerus et Whis, son fameux gâteau glacé à la fraise. Alors, ils appellent ça le dessert de la dernière chance, tu vois. Alors, attendez, hop, voilà, je vous montre le dessert de la dernière chance. Bah, ouais, parce que sans ce dessert, la planète Terre, bim, Beerus, ouais, il l'aurait fait péter, hein, tu vois. Donc, bah là, moi, c'est peut-être le dessert de ma dernière chance aussi pour moi. N'importe quoi, ça se fait pas. On va peut-être appeler le Samu avant, tu vois, pour... Et il n'y a pas que ça, parce que du coup, tu as fait également un cocktail, si je oui, dis pas de bêtises. J'ai fait le cocktail avec alors, jus d'ananas, jus d'orange, jus de mangue. Ouais, arrivez, on va le trouver, le jus d'orange, là, ananas, mangue, je sais pas quoi, là. Voilà, ouais. Ici. Voilà. Ça y est, j'ai trouvé la recette du jus d'orange, mangue, ananas, ouais, voilà, c'est coco, ça, voilà, avec le verre en cocktail, tout voilà. Ça. Donc, t'as tout fait. Ouais, j'ai fait les deux. On va voir ce que ça va donner. Femme, va chercher, femme. Bah, va chercher ce que t'as fait quand même. Ok les gars, c'est bon, Ludivine m'a apporté ce qu'elle a préparé. Franchement, ouais, alors, attention. Attendez, je vais vous montrer. Je vais vous montrer. C'est bon, ça va aller? Ouais, c'est bon, c'est bon. Voilà déjà. Donc, cocktail, orange, ananas, mangue et le fameux dessert de Bulma. Voilà, j'ai essayé de faire au mieux. Bon, j'espère que ça sera très bon. Franchement, en vrai de vrai, ça va. Ça non, va, il est franchement, bon. Franchement, ça va. Attention, bon. Le verre, le verre. Ouais, le ouais, verre. Ouais, t'inquiète pas, t'inquiète. Je gère. T'inquiète pas, je gère. Si ça se casse la gueule, tu ramasseras. Non, j'ai pas trop envie là. Donc là, vous voyez ou pas le dessert? Franchement, ça va. Hein. Eh, je l'ai bon. Réussi, je trouve. Hein. Alors, attends, on n'a pas encore goûté. Oui, okay. Ça se trouve, il est pas bon, hein. Il est que beau. Calme-toi quand même, on n'a pas encore goûté. Mais, ça ressemble à la photo, même pour les cocktails. Bon, les cocktails, à la rigueur, bon. Bon, c'est pas... assez simple. Voilà, c'est parce qu'il y a de plus dur. Hayakushiro, oui, mais le mais gâteau... Le gâteau glacé, c'est galère de faire un dessert en vrai, glacé. De vrai, hein, ça franchement... Ça trop vite. Regardez la quand tête du gâteau. Il y a encore mieux après. Ah ouais. On le voit encore plus en gros plan. Ah ouais, d'accord, ok. Bah, prends ton gâteau. Ok, mets-le juste à côté. Voilà, voilà. Vous voyez, bon. Alors, en fait, là... Il est on... plus bombé, on va là, dire. Là, on a du 95B. Et là c'est du 85A, tu vois. Donc, du coup, voilà. Ouais. Là c'est les gros ins et là c'est les petits ins. Bon, ça va. C'est qu'un petit détail, on va dire. Mais non, mais franchement, non, ça va, ça va. Bah, hormis que là, bon, c'est une photo en même temps, c'est super bombé, puis c'est un premier aussi. Ça se trouve, c'est un chef machin, pâtissier ou glacier, je sais pas comment on dit. Voilà, puis on connaît Photoshop, les gars. Là, il n'y a pas de Photoshop. Non, là, mais c'est non, ça c'est vrai, là. Voilà. Donc, bon. Ok, d'aspect, ça a l'air pas mal. Franchement, non. C'est vrai que d'aspect, les gars, attendez, je vous mets ça encore plus près, les gars. Ah, bah c'est mieux, toi, ouais. Voilà, il y a un coulis, il y a des fraises, de la chantilly, et dedans, c'est glacé. Et dernière, ouais, il y a une espèce de crème fouettée, ouais. Ok, et alors attendez, on va quand même dire la recette, hein, parce que dedans, il y avait quoi alors? Alors, c'est marqué juste ici, les gars. Vous voyez, vous avez les ingrédients. Moi, j'ai fait une sorte de crème fouettée avec du sucre vanillé. Et bah, de toute façon, il y a marqué 40 centilitres de crème liquide à plus de 30% de matière grasse bien froide, 4 œufs, 100 g de sucre, un sachet de sucre vanillé, 80 g de sucre glacé, 100 g de mascarpone, 300 g de fraises fraîches. Voilà, alors après, voilà, vous avez comment faut verser, combien de temps faut mettre au réfrigérateur, etc. Ah ouais, non, c'était galère parce qu'il faut tout mettre au frais, en fait, tous les ustensiles, sinon ça fond complètement. C'était trop galère. Donc galère. Je l'ai fait pour vous, hein. Est-ce que ça va être galère à manger? Est-ce que ça va être non, bon? Mais toi, ça va, t'as juste à manger, moi, je l'ai fait. Bah, heureusement, il manquerait plus que ça, qu'en plus ça soit... J'ai rien dit. Oui, allez, lit, voilà. Allez, non, mais ça a l'air... T'as mis combien de temps à faire ça? J'ai mis, franchement, une bonne demi-heure.
Ok, ouais, et là il y a marqué rapide, hein, temps de préparation 30 minutes. Donc en soi, 30 minutes dans le livre, c'est ce que tu as fait. Ouais, une bonne demi-heure. Ok, très bien. Vraiment. Bah, j'étais préparée, j'avais tout sorti mes trucs et tout. Bon, ok. Ça a l'air pas mal. Et après, bon, bah, on a également le cocktail, hein, du coup. Alors, ouais. Le cocktail, 50 centilitres de jus d'orange, 100 g d'ananas frais, 100 g de mangue fraîche, 15 centilitres de lait de coco et de la glace pilée. Reste. On n'est pas en plein été en même temps. On n'est pas en plein été, mais ça va, regardez et les gars. Donc, ouais, mangue, coco, donc ananas. Ça va, ça y ressemble là. Du coup, ouais, jus d'orange. Ouais, ça y ressemble, c'est pas mal ce que tu nous as fait là. Bon, on va déjà commencer tous les deux par ce fameux cocktail, les amis. Et du coup, bah voilà, je vous ai transmis les recettes. Comme ça, si chez vous, vous avez envie d'essayer de le refaire, bah vous n'avez pas besoin d'avoir le bouquin des recettes de Dragon Ball. Je vous l'ai dit, vous remettrez replay, vous mettrez des pauses, etc. Voilà, et vous essayerez de faire ça chez vous. Est-ce que t'es prête? Bismillah. C'est bon. Ah, c'est pas mal. Le petit truc sucré, j'aime bien tout. Franchement, c'est pas mal, les gars. Le petit, ouais, le petit sirop. Ah, franchement, bon, franchement, c'est bon. Pas mal. Moi, j'aime bien. La vérité, c'est pas mal. Ouais, on sent bien le goût ananas, tout ça. Voilà. C'est l'ananas qu'on sent. L'ananas, tout ça. Non, ouais. Franchement. C'est super bon. Maintenant, bon. Ça a pris le dessus sur la mangue, tout ça, l'ananas, c'est vrai qu'on le sent beaucoup. C'est bien ça, femme. Pour un sans cocktail, c'est validé. C'est pas mal. C'est pas... Alors maintenant, attention. La bête. La bête. Le fameux dessert de Bulma Caldena Whis. Est-ce que je vais faire Sobarashi comme Whis ou est-ce que je vais faire allô les pompiers, allô le samu? Vas-y. Bon, bah déjà, ça sent bien la fraise. Alors, let's go, les gars. On est parti. Attendez, faut bien que vous voyez. Prends parce qu'il y a de la crème en fait, la crème fouettée est bien au fond en fait. Faut bien que tu prennes au fond la crème fouettée. C'est bon? Ah, je suis contente. Ça va, c'est bon? C'est mangeable? Mais c'est pas mal du tout ce qu'elle nous a fait là. Mais montre aussi qu'il y a la crème fouettée au fond, ouais, c'est pas que la fraise. Je vais le finir tout seul. C'est vrai. Franchement, c'est pas mal. Tu veux goûter? Bah, je vais goûter. Non, c'est pas pour toi. Bah, si, j'ai pris une. Non, c'est pas pour plus, toi. Tu me dates. Ouais, mais pas pour toi. Franchement, c'est bon. Hein. Bah, mais la fraise. Voilà. C'est vraiment mal. Je comprends pourquoi Beerus, il a pas voulu canner la planète Terre. Franchement, c'est pas mal. Hein. Alors, voilà. Franchement, bien moelleux. Non, c'est bon. Ça te plaît? À ton tour. J'en referai. Tu vas en refaire très souvent. Franchement. Moi, je vais goûter avec la crème du coup. Franchement, c'est bon de ouf. On sent, tu vois, la mascarpone, tout ça. C'est hyper léger et tout. Non, franchement, c'est bon. Hein. Non, c'est bon. Hein. Ah, c'est bon. Hein. Ouais. T'as vu? Vas-y, continue. T'as vu que j'ai bien fait d'acheter ça? Comme ça, tu vas passer un peu plus de temps au fourneau. Continue ta vidéo, je vais manger. Elle va passer plus de temps au fourneau. Bon, et après, il y a encore plein d'autres recettes, hein, les gars. Non, mais il y a trop de vas-y, vas-y, mange pas tout là. Qu'est-ce que tu nous fais? Non, toi mais c'est donne, ça va pas ou quoi? Ça va pas ou quoi? C'est mon dessert ça. C'est mon dessert ça. Femme, alors non, femme. C'est trop bon en plus avec les petits morceaux de fraises et tout à l'intérieur, c'est trop bon. Genre frais. Franchement, c'est super bon. Franchement, c'est bon hein. Et on pense pas à faire un. C'est bon. On pense pas à faire un dessert comme ça, mais c'est trop bon. T'en es pas, on va y penser maintenant. Tu vas pas l'oublier celui-là. On va pas oublier. On va y penser. Franchement, ça va? Bon, bah ça va. Vous voyez ou pas? Il est bon. Ici, là, tout au fond, du gâteau, tout ça. Il y a la crème fouettée. Franchement, c'est super bon. Il y a mascarpone et tout, sucre. C'est super bon. C'est super bon. Ça fait pas que fraise, quoi. Ça coupe un peu de la fraise. Tu vas te remettre demain à faire ça. Non, peut-être pas demain. Hein. Franchement, pas mal. Je referai peut-être autre chose après dans le livre. C'est vrai qu'il y a plusieurs trucs. Il y a même de la viande, tout ça. Il y a des rôtis et tout. On va en faire plusieurs des vidéos comme ça, les gars. Il y a des plats, tu vois, avec du riz, de la sauce et tout. Les plats en sauce et tout, ouais. Ça peut être vraiment intéressant, tiens, par exemple, ce rôti. Moi, j'ai envie qu'elle me fasse ça, les gars. Franchement, ça a l'air trop bon, ça. Moi, j'ai envie qu'elle me fasse ça. Moi, j'ai envie qu'elle me fasse ça. On fera ça la prochaine fois en vidéo. Tu vas faire ça, femme. On verra. Donc, voilà pour cette dégustation. Et tiens, on va reprendre encore un petit coup du cocktail, hein, parce que le cocktail. Il est pas mal. Il est pas mal aussi, hein. C'est plutôt pas mal. Ça change de ça. Ah bah c'est pas du tout pareil, c'est vrai que c'est complètement différent. Ça change de ça, ça c'était... Non, c'est pas possible. Je vais me la prendre la tête. On a failli s'apprendre, c'est pas très grave. C'est pas très grave. Je m'y attendais pas.
Voilà, en tout cas, les amis, max de pouces bleus sur ces vidéos. N'hésitez pas à partager, n'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne en activant la cloche pour recevoir toutes les notifications. Et sur ce, les amis, n'oubliez pas, la passion passe après les priorités. Ciao. Ciao tout le monde. À la cuisine. Non. Si. Hey les gars, vous s'abonner à la chaîne de Sofiane le Geek, ça a l'air super. Non. Yeah.